pression. 4 jours de faire le sketch. Je déteste ce Quentin, je déteste. Okay, let's go. Pouvons-nous commencer ? Super. Et non, on commence pas. Mesdames et messieurs, pour cette CAP 2022, je vous demande d'accueillir chaleureusement le président de Sparrow, Hugo Henriques.
Mais que serait cette CAB sans le président du B2 actuel, le B2 Xanthos, Louis Dombrovski ? Louis ? Ouais ? Louis Dobro ? Non. Il était, bonsoir. Était, ouais. Il était pas là. Du coup, bah, je l'ai remplacé. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ok, cool. Bon, t'es content d'être là ce soir, Hugo ? Oui. Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes chaud ? J'entends pas, est-ce que vous êtes chaud ? Ah là là, Hugo, je suis content de t'avoir en face de moi. Et je sais que t'as été élu parce que Sparrow, ça finit par en haut, comme Fuego, comme Django. Et oui. Funko. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Bon. Vous... Je vois qu'ils sont bien chauds. Ouais. Donc... Moi, j'ai envie de commencer par un petit truc. Dis-moi. Un petit cours de maths. Exact. Exact. Est-ce que vous avez pris vos cahiers de maths ce soir ? Ah. Ok. Alors, on avait prévu que M. Habib vienne vous faire un cours de maths sur les anneaux. Maths générale, vous en souvenez ? Mais il n'est pas là, malheureusement. On vient de me prévenir. Mais c'est pas grave, je vais le remplacer. Alors, les anneaux, oui, vraiment. Silence ! Silence dans la salle. Asseyez-vous, s'il vous plaît, vraiment. Vraiment, il faut vous asseoir. Alors, si l'on fait la linéalité, enfin... Silence, silence, s'il vous plaît, je vous entends, vraiment. Non, le téléphone, c'est bon, mais vraiment, silence. Vraiment. C'est trivial. Bon, finalement, ça ne va pas être moi, je pense. Oui, il y a un prof remplaçant qui ne devrait pas tarder, donc sortez vos cahiers et préparez-vous. Vous allez faire des maths. La vie d'influenceur mondain vous fait parfois quelques surprises. Chers followers, bonjour. Aujourd'hui, je me trouve en banlieue pour un live exceptionnel. Afin de prendre le pouls de notre jeunesse, je vais m'infiltrer et me faire passer pour un professeur de mathématiques dans une école d'ingénieurs. Comme c'est amusant, chers followers, je remplace un certain monsieur Habib parti en Turquie. Et c'est une information pour une légère intervention capillaire. L'école en question dans laquelle je me trouve actuellement s'appelle l'Essier. Je vais donc essayer de faire illusion. C'est amusant. Alors, tel que vous voyez, je suis actuellement dans les couloirs à la recherche de l'amphi Marcel Dassault, du nom d'un célèbre marchand d'armes. Cette école a l'architecture étonnante, comporte 4 autres amphithéâtres, ce qui permet aux élèves de sécher les cours soit en 110, soit de sécher les cours en 210, soit de sécher les cours en 160, soit même de sécher les cours en 260. C'est un embarras du choix intéressant pour cette école. La forme générale de cette école rappelle pour les uns un clavier d'ordinateur, pour les autres un vaisseau spatial pour les autres. C'est à croire qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un architecte de dessiner une école qui ressemble à une école. Sans doute, est-ce trop leur demander, mais je ne dois pas être très bien loin de l'amphi où je vais donner mon cours. Je vais vous faire un petit tour avec ma canne à selfie pour un petit tour du vacataire. Vous allez voir comme c'est... voilà. Alors oui, les élèves étaient là. Bonjour. Où je parlais. Ils ne sont pas très bruyants, ils sont plutôt calmes. On m'a dit, c'est, attention, tu vas dans la ville de Noisy le Grand. C'est le Noisy. Non, finalement, hein, ça passe bien. Alors, bonjour les enfants, je suis votre nouveau professeur de mathématiques. Je vais vous faire un cours. Je suis venu avec
une sorte de limousine tricolore qu'on appelle le RER. Limousine immense. Je n'ai jamais vu ce modèle. Je vais vainement chercher le bar à champagne. Il y a eu quelques animations, un concert. C'était très marrant. Si ça ne vous dérange pas, je vais broadcaster ma brillante intervention en live sur un réseau très apprécié des jeunes grâce à ce dispositif. Je vais broadcaster, chers followers, vous allez assister à ma brillante intervention dans cette école d'ingénieurs. Nous sommes en direct sur le réseau TikTok et je vais vous parler de la célèbre équation et que nous allons travailler ensemble et qui se trouve sur ce tableau rotationnel et que voici. Alors, peut-être que nous pourrons la projeter à l'étage supérieur et nous allons la commenter ensemble. Si elle est projetée à l'étage supérieur et que nous allons la commenter ensemble. Bon, on va la commenter ici. Alors, vous allez, c'est-à-dire que vous connaissez les nouvelles directives de l'éducation nationale. Ah oui, là. C'est que l'élève doit co-construire son savoir avec le professeur. Ce n'est pas moi qui dois vous transmettre le savoir. Ça m'arrange un petit peu. Alors ici, ça, c'est, vous vous souvenez, être H bar. Donc le H est barré, remplacé sans doute par du CBD. Deuxième, ce H, moins H2 sur 2M. On pourrait d'ailleurs simplifier par 2. Peut-être. Ensuite, j'ai cette chose qui s'appelle le quoi ? Le blabla carré. Le blabla carré et fois le psy. Oui, nous avons tous un peu besoin d'un psy après cette période de Covid. Et il est là. Plus V. Alors, V psi, V de la victoire, égale. Alors, vous voyez que mathématiques sont un concept égalitariste. Et là, vous avez I. Alors, I, c'est un nombre imaginaire. J'entends imaginaire, oui. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui. Ah, vous avez. Oui, Hollister, oui, dites-moi. Oui, effectivement, ça vous donne des complexes à nombre imaginaire. Mais là, vous avez aussi H bar également. H bar également, c'est le H est parti. Et comme le dit Gucci, hein, c'est toujours le même H qui est là, on peut simplifier. Et là, vous avez un 6 à l'envers. C'est bien ça, 6 psi sur DT. Et en égalité. Voilà, je pense que votre explication était très claire. Voilà, pour la résolution, évidemment, nous allons patienter un petit peu. Mais je crois que j'ai un appel d'un follower. Ah oui, oh, c'est l'autre que le certain monsieur Habib. Alors, nous allons essayer de projeter le message qu'il nous envoie. Sur l'écran. Oh ! L'opération s'est bien passée. Comment se déroule ce cours de maths ? Oui, alors, je vais remonter sur le chat. Oui. Alors, cher professeur Habib, oui, parfaitement. Parfaitement. Nous avons étudié cette équation de Schrödinger. Très, 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 très belle équation, très belle. Très, très, très beau concept. Et je voulais vous rassurer sur l'état de notre jeunesse. Elle correspond bien à un état dynamique propre à cette école et confirmant le célèbre proverbe asiatique de tout temps. Les héros nous viennent de la jeunesse. Bonsoir. Merci Nicolas Trubbe.
Merci, Monsieur Trupp, qui nous fait depuis... c'est la 16e fois que vous faites une représentation devant nous de la soirée cabaret. Et on vous en remercie. Ça t'a plu, Hugo ? Merci beaucoup. J'ai adoré ce cours de maths. Moi, ça m'a fait rire. Moi, tous les ans, je viens pour voir le photomontage avec Monsieur Habib. Il y a 2 ans, avant le Covid, c'était Monsieur Habib en rose avec un nœud papillon. Il était maquillé en œuf de Pâques. Moi, j'ai adoré. Bon, maintenant... On va déjà, désormais, donner une partie des lots. Est-ce que vous avez tous vos tickets ? Vous n'avez pas de tickets ? Comment ça, ils n'ont pas de tickets ? Qui a les tickets ? Le paquet, enfin, qui donne les tickets, genre ? Levez la main ceux qui n'ont pas de tickets, s'il vous plaît. Bah, vous savez quoi ? On les donnera après notre prochain, comme ça. Bah non. On s'en fout, on les donnera plus tard, ils sont pas prêts. Eux, ils méritent pas, déjà. On les donnera plus tard, genre l'année prochaine. Allez, hop ! Est-ce qu'on présenterait pas un petit peu le cabaret en attendant qu'ils distribuent les tickets ? Mais oui, c'est ce que je voulais faire avec toi, Hugo. Pourquoi on fait le cabaret ? Qu'est-ce que ça représente ? Le cabaret, c'est la soirée de passation du B2. C'est la soirée où Xanthos va passer la main à Sparrow, et on en est très fiers. Merci. Vous pouvez les applaudir. Merci. Cette soirée qui, normalement... Et le passage d'un président à un autre, bon, je remplace Louis aujourd'hui, vous l'aurez compris. Mais je suis quand même très fier et je suis sûr que lui, il nous regarde et qu'il est très fier de vous aussi. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut remercier aussi Louis qui a fait un magnifique travail pendant toute cette année. Merci Louis. Pas moi. Lui. Du coup, les lots, est-ce que tout le monde a un ticket ? Levez la main ceux qu'on n'ont pas. Un, non mais toi, t'en as pas, toi. Deux, ok, lui, deux personnes, là, il y a deux, trois, mais l'homme, il y en a pas, lui, non plus. Oh là là. Oula. C'est, attends, normalement, c'est l'entrée du fond, mesdames Axel, et messieurs. Axel, viens. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux te présenter devant la soirée cabaret ? Je vous présente. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition 2022 de la CAB. J'espère que vous allez passer une très bonne compagnie en leur compagnie. Ouais ! Ouais ! Faites du bruit pour Axel ! Prenez vos tickets auprès de la jolie Wendy. Ok, alors, pour commencer, nous allons faire gagner une bouée. Une bouée. Ouais ! Qui veut une bouée ? Vous êtes prête pour le tirage ? Un cadeau exceptionnel, une valeur exceptionnelle que le B2 Essier Paris met pour vous ce soir. Cette bouée est d'une valeur de 500 euros unité. Attention, du bruit attention, pour les trésoriers ! Attention, est-ce que vous avez bien vos tickets ? C'est le numéro 2, 7, 6, 276. Est-ce qu'il y a le 276 dans la salle ? Ouais ! Oh non, je suis abattu. Sérieux ? Si, c'est toi ! Il a remporté la bouée ! Un tonnerre d'applaudissements pour... Nabil. Bravo Nabil ! Allez, lot suivant. Pas ouf le lot. Lot suivant. Qui aime... Brasser. Brasser. Comme Nabil avec sa magnifique bouée. Un kit de brassage à gagner pour mes amis... Les brasseurs. Oui, les brasseurs. Voilà. Exact. Attends. Influenceuse comme Monsieur Trupp tout à l'heure. Parfait. Il manque la canne à selfie. Ok, et donc le numéro gagnant est le... 5. 0. 3. 503. Ouais ! Qui ? C'est qui ? C'est qui ? Va te faire, Emeric. Bon, allez, viens. Tu l'as ? Ok, menteur ! Menteur, Emeric. C'est à lui ou c'est toi ?
C'est le caméraman. Oh là là, le happening. Oh vas-y, bah venez tous les deux parce que. Non mais à un moment donné. Bon allez, viens Aymeric là. Allez, on enchaîne là, on enchaîne. Bravo Aymeric. Tu te présentes Aymeric? Moi c'est Aymeric. Ouais. Ok, qui était à Marseille ce week-end? Qui on s'en fout. Aurait aimé être à Marseille ce week-end pour un concert? Je vous demande de crier son nom. Nous avons un petit kit T-shirt into album de Jul. T'as déjà tiré? Le numéro gagnant est le 5 0 8 508. C'est qui? Je vois pas. C'est Kenza. Kenza, viens là. T'aimes bien Jul? Fais le signe. Félicitations. Tu veux te présenter? Non, c'est bon, ça va aller, merci. Super. Prends ton album Jul. Et on va avoir le plaisir d'accueillir le prochain artiste. Pour le présenter simplement, il reste des lots. Restez là, il y a d'autres lots par la suite. Voilà, il y en aura d'autres. Plusieurs tirages au cours de cette soirée cabaret. Absolument. Et donc, pour introduire notre prochain artiste, est-ce que vous avez déjà travaillé dans la rue à l'essier? Vous savez, parfois, il y a des bruits forts, longtemps, qui sont parfois cool, mais parfois, ça casse la tête. Non, ça casse toujours la tête. Les gens qui jouent du piano Veuillez accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Timothée Dumas. Allez, une deuxième tournée. Allez, encore. Encore. C'était super. Moi, j'ai adoré. C'était génial. Merci beaucoup. C'est un bel hommage que tu as rendu à Sparrow.
Comble. Comble. Ah ouais. Yo. Ça va? Quelqu'un a une blague? Non. Le caméraman, il a une blague. Si. T'es beau, mec. Merci. Oh, la bonne blague. Ha. Bon, alors, est-ce que vous voulez... Alors, ça, c'est... Non, ça, en dernier. Qui aime bien la verdure ou le jardinage? Qui aime le jardinage? On n'entend pas. Qui aime le jardinage? J'aime pas trop. Donc le nous avons un petit zen bonsaï à gagner qui fera fureur dans les décorations de vos appartements étudiants. C'est un vrai bonsaï écologique, graine qualité, idée cadeau. C'est à faire pousser apparemment. Donc vous aimez le jardinage, voilà, vous aurez de quoi faire. Donc des graines de bonsaï, voilà. Donc qui veut un bonsaï? On va faire le tirage. Ah, oui, il est déjà fait le tirage. Devine. 327? Non, 524. 524? Allez! Ouais! Un tonnerre d'applaudissements pour Alex Beau, s'il vous plaît. Et maintenant, une gourde. Quand vous avez soif, vous faites quoi? Et quand vous devez arroser un bonsaï, vous faites quoi? À grâce, tout ça, à l'outil qui s'appelle la gourde. Qui veut une gourde? Moyen chaud. C'est moins. 522? Non. 321? 249. 249. C'est une arnaque, ça. Pourquoi il gagne, lui? Merci Xanthos, on dit merci Xanthos. Hein. C'est truqué, hein. C'est le dernier lot que tu gagneras pendant un an, tu te rends compte de ça? Ok, et enfin, une carte cadeau Amazon. D'ailleurs, en parlant d'Amazon, si vous n'avez pas de compte Amazon Student, restez à l'affût. Restez à l'affût. Non, je veux choisir moi-même cette fois. Je trouve que c'est truqué. Non. Voici, c'est il n'a pas une main innocente, Louis. Si tu gagnes, c'est vraiment aberrant. J'ai pas de ticket, ça risque pas. Okay. Oh putain. Alors 5. 1. 6. 516. C'est good pour toi? Alors qui est le 516? Non mais c'est truqué, c'est sûr. Ouais, pour Saïd. Ouais, Saïd, faites du bruit pour Saïd. Saïd, est-ce que t'as quelque chose à nous dire? Merci. De rien, Saïd. N'oubliez pas, à minuit, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Je ne dirai pas qui. N'oubliez pas de lui souhaiter. Si. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter... T'as Ben Taïr qui va nous faire un super numéro de beatbox. Un tonnerre d'applaudissements.
Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Taha et j'ai choisi un moyen assez économique et écologique pour faire de la musique, donc le beatbox. Pour ceux qui ne savent pas, c'est faire des bruits bizarres avec la bouche. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon. Du coup, si je dois faire une petite présentation, ça serait... Ça s'appelle du beatbox. Et donc j'ai ramené avec moi une loop station. Donc c'est un outil très moderne qui sert à répéter des sons, Je peux ajouter ce que je veux. Bon, ça va être un peu rébarbatif si on s'en sert comme ça. Mais grâce au beatbox et grâce au club choral, si vous voulez y inscrire, c'est tous les mardis et vendredis à partir de 17h, gratuitement. On peut sampler et donner des trucs comme ceci. Très économique. Chose comme ça. Merci. Et donc maintenant, je vais vous interpréter quelques morceaux d'un artiste très connu que j'apprécie bien, qui s'appelle MB14. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Oh.
Have you ever felt like you weren't born at the right time? That you already been through all this in the past life? Why do I feel so connected to the ancients? Why do I always wanna go back to the essence? I play video games, now I wanna play chess. Trees give me all over time, that is patience. Got my paychecks, but no answers. Now the question is, what's beyond my senses? Yes, I'm lucky, yes, I'm alive. But I'm curious about what's coming after my last. Pyramids, temples, tattoos and camp. Apparently you cannot always find shooting samples. Animus, please check up on my teens. My DNA's like a time traveling machine. Witches along my seas, witches and disbelief. Witches along my dreams, figures of my realness. In my veins, there's more than Arabic blood. In the past, I even saw the pyramid noise. What about the inches and the wisdom? Unless I had a time travel scene. In my veins, there's more than Arabic blood. In the past, I even saw the pyramid noise. What about the inches and the wisdom? Unless I had a time travel scene. In my veins, I guess I had a time travel syndrome. I guess I had a time travel Maintenant, mesdames et messieurs, on passe de l'Égypte à du reggae et du hip-hop. Ça vous va ? Looks and grudges and jealousy.
and police, why abuse them authority? Media clowns, why you don't know my variety? We gotta keep on walking on the road to Zion. Shall we be waiting there? We are shout. Shall we be waiting there? We gotta keep it burning on the road to Zion. Shall we be waiting there? 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 We are shout. Shall we be waiting there? Shall we be waiting there? We are shout. Shall we be waiting there? Et pour la dernière, mesdames et messieurs, celle que tout le monde connaît. Vous l'avez entendu, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le club choral. Et maintenant, le club choral, et quoi d'autre? Comment? Le club choral, et on peut au club choral. Et ben voilà. Mais est-ce que tu pourrais pas nous lancer une petite page de pub? Allez. Et tout de suite, mesdames et messieurs, Taha pour vous aujourd'hui va nous annoncer une petite page de pub. Merci beaucoup, Taha. T'inquiète, tu bouges pas.
Donc maintenant, c'est la page de pub. Nous allons vous présenter quelques lots que nous allons vous faire gagner. Comme vous le voyez ici, on a un plaid. Ce plaid est très pratique pour diverses raisons. Oui. Que tu vas nous citer, Hugo. Bah, par exemple, c'est doux. Regardez. Ça peut aussi servir à... Par exemple, vous êtes dans une soirée, vous jouez à l'ordinateur, il y a votre copine, elle vous fait chier. Hop, emballage. Vous le dépliez. Et vous l'emballez. Hop, plus de problème grâce à ce plaid 1m75 par 1 mètre. Et voilà, vos problèmes sont résolus. Merci à vous. Qui veut gagner le plaid ? J'ai pas une main innocente. Pioche, toi. C'est le 2. Le 7. Et le 5, 275. Ouais. Ouais, le plaid. T'as de la chance, tu vas pouvoir ranger ta copine. Rien, comment tu t'appelles ? Ethan. Un tonnerre d'applaudissements pour Ethan. Ouais. Le deuxième lot est un lot de l'eau. Attention. Oui, oui. Il y en a deux. Composé de deux éléments identiques. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont deux gourdes. Ah, mais c'est Mélissa et Wendy ! Comme j'ai cru comprendre que vous aimiez les gourdes, j'en ai pris deux nouvelles. Une gourde ananas et une gourde cactus. Car c'est bien connu, dans l'ananas et dans le cactus, il y a de l'eau. Tout est bon. Dans l'ananas et le cactus. Ouais. Bon, on les fait gagner les deux séparément ou les deux ensemble ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah. Ok, la team ananas, vous allez crier. Et après, on va faire la team cactus pour savoir lequel on fait gagner en premier, d'accord ? La team ananas, c'est parti ! La team cactus, c'est parti ! Ok, d'accord, c'est le cactus qui gagne, on est d'accord ? On est d'accord. Ok, pour le cactus, les chiffres sont les suivants. 5. 5. 7. 557. C'était écrit, t'es Django, frérot, tu chopes le cactus ? Le VP Django, hein. Le VP Django qui récupère le cactus divin. Ouais. C'était écrit, hein. Mine de rien, le destin existe. Ok, maintenant, l'ananas. Et là, ça va moins rigoler. Peut-être une future liste anano. Vous l'avez. Ok, le 5. Le 4. Et le 3, 543. 543 dans la salle, dans l'assemblée. Dénoncez-vous, s'il vous plaît. Je vois pas s'il y a quelqu'un. Nous, on voit rien. Vous êtes dans le noir pour nous. Ok, deuxième ticket, il n'y a personne. Ah bah si. Non, on retire, il a déjà gagné. Je m'en fous, il a déjà gagné, on retire. Eh, vous voulez retirer ou vous voulez qu'il le prenne ? Voilà. Ah, il a gagné un jeu pour avoir deux tickets, il a gagné, c'est ça que t'es en train de me dire ? Mais gros, mais t'es cocu ! Bon, Simon, tu remets ton lot en jeu ou tu veux vraiment le prendre ? Ok, c'est parti. Il est beau, buzzer, bravo ! Le 2. Le 6. Et le 9. 200. 69. Ouais ! Vous l'avez ? Qui ? Je suis un peu déçu par votre humour. Ouais, Juliette ! Elle a gagné la gourde ananas. Bravo, Juliette ! Parfait.
Ok, maintenant vous allez continuer d'applaudir pour accueillir. Hugo Henriquez. Non. Merci, 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 merci. Non, vous allez accueillir Clémence Garnier. Ouais. It's not easy on my bedsheets. It's not easy on my nerves. It's not easy on my conscience. It's not easy on my soul. This is not what you wanted. What you wanted for me. I know that much now. My apologies. You will call me a harlot. You will call me a whore. But see, I'm man now. I'm with so much more, but I've got the heart of a hustler with a hustler's pain. I've got the heart of a hustler with a hustler's shame. I've got the body of a lover with a masochist's brain. I've got the heart of a hustler. I'm playing a dangerous game. Says no, sir, but the body says please. The heart stays silent, such a silent tease. And I don't know why I'm telling you this. Maybe I've got to get it off my unholy chest. There's a road much traveled, but one I haven't walked down yet. And it calls my name, it calls my name, yes, it calls my name. It's a darker path. And it calls my name. I've got the heart of a hustler with a hustler's pain. I've got the heart of a hustler with all a hustler's shame. I've got the body of a lover with a masochist's brain. I've got the heart of a hustler. I'm playing a dangerous game. I'm playing. With a hustler's pain, I've got the heart of a hustler. With all a hustler's shame, I've got the body of a lover. With a masochist's brain, I've got the heart of a hustler. I'm playing a dangerous game. I've got a hustler's heart. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup Clémence pour cette prestation, c'était super. Et après l'image, les lots. Ouais. Qui veut des lots? Je vous préviens, ça monte en gamme. Hein. Oh. Là, ça ne rigole plus Hugo. Alors, on commence par une sacoche. C'est un kit de ping-pong pour pouvoir jouer au ping-pong où vous voulez.
une table, une voiture, une chaise en soirée, voilà quoi. Ça part. Certains l'utiliseront que pour les balles. D'autres que pour le filet. Bref, qui veut gagner ce jeu de ping-pong ? Le 5 ? Le 2 ? Non. Le 4 ? Le 2. 542 ? Ouais. Qui a le 542 ? Ouais, un tonnerre d'applaudissements ! Oui ! Regardez comment il est drip. Parfait, ça fait plaisir. Tu veux dire un mot à la salle peut-être ? Ton prénom déjà ? Jocelyn, merci à tous. Parfait. Ah ! Ok, deuxième lot. J'ai l'impression que vous savez ce que c'est. Attention, démonstration. Voilà, c'est incroyable le premier Doug, c'est vraiment une dinguerie. Qui veut ce lot ? Attention, attention, tonnerre de tambour plutôt. Le 5. Le 3. Et le 2, 532. Bravo. C'est Axel. C'est Axel. Il y en a un deuxième. Merci Axel. Il n'est pas cassé. Le 5. Le 6. Et le 6. Ouais. 566. Oh, le massage. Il sort une personne. Pas de moi à la foule, tu veux pas profiter de ce moment pour faire une dédicace à ta maman ? Non. Ok. Ok, le dernier lot de ce tour. Je viens de cracher, c'était dégueulasse. Un grippin ! La foule est en délire, à ce que je vois. Ouais. Calmez-vous ! Le 5. Le 5. Et le 3, le 553. Qui a le 553 ? Regardez bien vos tickets. 553. Je le répéterai une dernière fois. 553. Personne ? Ok. Second ticket. Eh ben, moi, je tire alors. Non, tu veux tirer ? Vas-y, tire. Allez. Waouh. 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 Je sais pas si je peux dire le chiffre, Hugo. C'est un chiffre, franchement, on est face à quelque chose d'unique. C'est un chiffre rond, déjà. Il n'y a pas de virgule derrière. Est-ce que c'est un nombre au premier ? Attends, attends, faut que je divise. Ça commence par un 2, ça finit par un 3, et au milieu, il y a un 4. 243 ? Oui, bravo. Oui, mais waouh ! Incroyable! Je vois pas qui c'est. C'est Jeanne, incroyable! Jeanne, t'as gagné un grippin. C'est incroyable. Bon, Xanthos, c'est quoi cette histoire de tickets là? Vous avez donné tous les tickets à Sparrow? Non, il y en a aussi à Xanthos. Bon, le dernier tirage, c'est après le célèbre club de l'école qui est venu en nombre ce soir, attention. Ils sont venus à tous les membres ce soir pour vous jouer devant vous un spectacle unique. Vos oreilles toutes oui. Là, ouais. Le club musique. Félicitations à vous tous. Attends. Ah. Oh, ça marche. Bonjour tout le monde. Applaudissez, applaudissez. Attends.
good? Okay. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? Attends. We passed upon the stairs. We spoke of was and when. Although you never met, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died a long time ago. But now we see we're never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I loved and shook his hand. I made my way back home. I searched for falling. For years and years I roamed. I gazed a gaze there. We've walked a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. We're never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Oh no, we see we're never lost control. Your face to face with the man who saw the world. Maintenant, on va demander à des personnes très talentueuses de faire la transition pendant qu'on se réaccorde. Hugo. Patientez 2 minutes pendant qu'on fait des blagues. Ouais. Hugo, t'as une blague? T'es beau? Ça fait beaucoup, là. Je vais commencer à le prendre mal. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un dans le public a une blague? Il y a un lot à la clé. Ouais. Ah ah. Oh oui, viens. Fais le tour, passe pas avec tes grands panards au-dessus des cieux. Mais non. Non, tu passes pas là. Va là-bas et passe là-bas. Un tonnerre d'applaudissements pour le nouveau respologue de cette année. Rookies. Bah... Je suis dans un véritable moment de cringe. Ouais, là. Du coup, une autre blague. T'as une blague? Ah, Mathieu. Vas-y. Un truc pas sur les listes. Ou alors un truc drôle. Il y a un lot à la clé. Hein. La personne qui fera la meilleure blague gagne un lot, c'est réel. Hein. Donc battez-vous pour faire une blague. Mathieu Pochon. Quel est le point commun entre une femme et un ascenseur?
Non. On est en live sur Twitch. Ils ont déjà fait ban une chaîne, pas la nôtre. Bah vas-y, t'as commencé, maintenant fini. Hein. Tu mets le doigt où t'habites. Et les humoristes de merde, cassez-vous là. Okay, bon, pardon. Mathieu Pochon, viens chercher ton mini-lot. Eh, vous préférez qui entre Louis et Hugo ? Arrête. Bon, en fait, on n'était pas prêts. Premier deck, parce que je peux faire un panning. Non, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Parfait. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît ! T'es bizarre, toi. I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, hanging over the same old ground. How we found same old fears. Wish you were here. Thank you.
Merci. Merci tout le monde. Bravo, bravo, bravo au Club Musique. Merci à vous. Applaudissez-les encore, s'il vous plaît. J'en profite pour dire que les élections de bureau commencent la semaine prochaine. Si vous êtes intéressés, allez-y. Boulot. N'hésitez pas. Ok, alors du coup, le lot de ce très cher Mathieu, c'est un petit kit assorti de plusieurs couleurs dans lesquels il y a plusieurs tiroirs. Dans chaque tiroir, il y a plusieurs couleurs de la couleur du tiroir. Voilà. Les images se suffisent à elles-mêmes. De peinture. Au final, est-ce que c'était pas écrit encore? J'espère une fois que c'est du XS par contre. Hein, parce que... Alors. Ne t'en fais pas. Moi, je pense que les meilleurs, c'est les violettes déjà. Tu me diras ce que t'en penses. Bravo, Mathieu. J'espère qu'on va jamais se croiser dans l'ascenseur. Ok, on passe aux choses sérieuses avec Lélo. C'est la dernière fournée. Et ensuite, on ira tous à la cafette. On vous attend nombreux. Sachez qu'il y en a qui font déjà la queue. Ils sont cons, ils sont pas venus là. Bon, du coup, on commence. Par... Vas-y, je te prie. Un cuiseur de sandwich. Avec lequel on peut faire aussi des tacos, des croque-monsieur. Ouais, ouais. Et le regagnant... Hugo. Oui. Dis-nous qui est le numéro gagnant. La personne, genre, je peux faire un pré-shot en mode... Ouais, fais un pré-shot. Oh la dinguerie. Non, bah, alors... Non, je vais donner un prénom et je vais dire le numéro. On verra si j'ai bon. Si j'ai bon, je gagne le gros lot. Ça vous va? Ok, alors, je vois rien du tout. Est-ce qu'il y a Étienne Chevet là-bas? Non, il n'est pas là, Étienne Chevet. J'aurais bien aimé. Je vois rien du tout. Arrêtez de me suivre. Voilà, merci. J'ai pas envie que ce soit un Sparrow qui gagne. J'essaie de voir une tête. Tiens, Yuen, j'annonce, c'est toi qui gagne. Le 527. Putain, c'est pas Yuen. Mince. Du coup, on fait quoi? Bah, on lui donne ça, mais je gagne pas le gros lot. Ah oui. Bien joué, mon Toto. Oh, Toto. Toto, tu veux nous dire quelque chose? Si. Merci beaucoup, Xantos. Merci à toi, Toto. Un blender, un extracteur de jus plutôt, je crois que c'est. C'est un blender. Il y a marqué blender, c'est vrai. Qui veut un blender? Ok. Tiens, vas-y, prends le papier, je suis occupé. Vas-y, fais le même jeu que moi, devine qui va gagner. Ok. UN. Le numéro 552. Putain, ça tombe autour de Yuen, bizarrement. Félicitations. Oui. Tu as le droit à ton ticket. Mathieu. Tu es à ta place. Merci. Un petit mot. Merci. Parfait. Ok, alors maintenant, il s'agit du... Non, l'avant-dernier lot, donc juste avant le gros lot. Ça, c'est le gros lot, là, tu vois. Ça, c'est le lot. Et ça, c'est, là-bas, c'est le gros lot. Non, mais le sort pas. C'est pas spoil. Une enceinte, je crois qu'elle est waterproof et tout, stylée. L'été arrive, les beaux jours arrivent. Voilà. C'est la Immersive Iris Sound. Qui la veut? Ok, attends, fais une prédiction. Elles sont timides. Encouragez-les, s'il vous plaît. Allez! Mélissa va faire une prédiction. Tania, tu vas gagner apparemment. Ça marchera pas, on le sait déjà. Mais j'ai quand même envie de gagner le gros lot. Viens, on prend 2 tickets, 3 tickets et on fait le premier chiffre à chaque fois. Mais non, ça va pas marcher. Non, arrête tes conneries. Ok. 506. Oh, c'était pas loin, mais non, pas du tout. 5. 5. 1.
551. C'est pas, tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Viens chercher ton enceinte. Qu'on passe au gros lot. Oh putain. C'est Nico. Ok, bien joué. Merci beaucoup, Xanthos. C'est Xanthos qui de donne. De rien. Alors là, Hugo, le sort pas, le sort pas. On porte parce que c'est lourd, ouais. On porte le sac. Ouais. Voilà. Donc là, il s'agit du gros lot. Vous voyez, c'est... Ça pèse son poids. Ça pèse. Qui veut le gros lot? Surprise. Waouh, ils sont chauds. Non. Plus fort, qui veut le gros lot? Voilà. Voilà. Ouais. Ok. Je suis tendu. Ah, moi, je suis tendu aussi, là. Oh, putain. À ton avis, c'est qui l'a? Oh. Oh, j'aimerais bien que ce soit Quentin Chauvin. Ah ouais, Quentin Chauvin, faudrait qu'il ait le gros lot. Ouais, ça lui, il kiffera. Le 513. 513. Oh. Ouais, oh. Axel. Attends, viens. Comment Axel, on va te faire piocher ton gros lot. Tu vas pas regarder, tu vas mettre ta main dans le sac et tu vas sortir le gros lot, d'accord? Donc tu regardes pas. Vas-y. Bravo! Bravo! L'été arrive. Axel, il fait chaud. T'as peut-être un mot pour Xanthos? Il en a rien à foutre, regarde. Non, ah, ok. Bon, bah, cool. Et maintenant, juste avant que vous partiez, petit récap en images avant de partir festoyer ça à la cafette. C'est parti. Merci beaucoup. C'est joli, hein. Ah ouais, ça change de couleur. Ah ouais. Mais de rien, la tech. Merci à vous. Merci. Donc, j'ai promis à la tech que s'il y avait un petit moment de flottement, il fallait que je meuble. Donc là, je vais le faire pour la tech. Ah, pardon. Ah ouais. Ah ouais. Sacrée équipe. Ouais, donc ça, c'est nous. Ah, il y a Louis, regarde. Ouais. Lequel? Celui qui est pas là. Ah, ouais. On dirait que c'est moi qui fais le diapo. I saw her face. I'm a believer and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I got, oh yeah.
Bien qu'un peu plus loin comme du manque de sommeil, mais je pense qu'il y a un truc de plus d'un souvenir qui s'est créé, de plus d'un relation qui sont utiles, qui sont créées. Et la liste. Allez, tous en cafette, c'est parti! 60 litres, 60 litres, 60 litres! Attends, mais c'est pas fini! Si, c'est fini, c'est fini, c'est fini! C'est pas fini, attendez! Comment ça se passe? Asseyez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tiens. C'est quoi ça? Ah! Y a une vraie truc! Bah oui! Ok, rasseyez-vous! Ok, la vidéo n'est pas finie, en fait! Ok, je. Haha! C'était scripté. Ah, vous êtes bien eu, je vous ai bien eu. C'était une blague. Ah, la bonne blague. Ok, on donne des lunettes pour que vous restiez. Restez là. T'as pour tes lunettes. Ok, c'est quoi? Je dois faire quoi? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser la vidéo continuer? En fait, il y a une suite. La tech, ah. Est-ce qu'on peut avoir la dernière slide? Ah. Merci. Voilà, reste donc de ton côté. Je vais rester de mon côté, à côté de mon magnifique logo. Déjà, je voulais vous dire que, et on l'a déjà dit, le bureau Xanthos, pendant les amphis des élections, mais c'était un vrai plaisir d'être votre BDE pendant cette année, c'était vraiment un honneur. Et on a beaucoup aimé faire ça avec vous, on a beaucoup aimé travailler avec vous, et on vous remercie. On vous remercie énormément pour ça. Et surtout, merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de l'année. Mais cette année, aujourd'hui plutôt, j'aurais aimé que Louis soit là avec moi parce que c'est son rôle de le faire et je suis triste qu'il ne soit pas avec nous, mais je sais qu'il nous regarde et je sais qu'il nous regarde d'où il est. Et je sais qu'il aurait aimé être là, d'où il est. Donc, aujourd'hui, c'est le jour pour Xanthos de donner la main à Sparrow et on est très fiers. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Hugo, ça fait depuis Funky. Oui. Et voilà. Funky. Team Funky ici. Funky Family. Donc, Hugo, c'est le moment que je te serre la main et que je te passe à travers cette poignée de main le BDE Essier Paris. Merci. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Voilà. Voilà. Non. Tu as cru qu'aucun. Hein. J'adore les moments de cringe, mais là, c'est long. Non, mais merci beaucoup. Limousin. Hugo va nous danser la danse du limousin. Le limousin a dit, enlève ton t-shirt. Limousin a dit, enlève ton t-shirt. Twitch. Et coupez le live.